avec mon conjoint, avec mon mari, ce que j'aime faire à Montréal. Et en plus, il est français, donc ça a été un temps d'adaptation. Il a fallu que je lui montre vraiment qu'il fallait vivre Montréal, qu'il fallait justement passer du temps dans les parcs, dans les festivals. On est allé à Oshiaga les premières années qu'il est arrivé ici. Ça l'a beaucoup aidé à s'adapter puis à voir un peu de quoi là, on était capable à Montréal. Les activités que j'aime faire à Montréal avec ma fille, c'est aller au biodôme, parce que même quand il fait froid l'hiver, c'est un peu un endroit où on peut aller pour voir les animaux, c'est un zoo intérieur. C'est vraiment parfait pour les enfants. Il y a de la place pour courir, pour voir les animaux. Tu peux aller voir les papillons, il y a les papillons en liberté. Puis sinon, pour les lanternes, une fois par année, les enfants aiment vraiment ça. Avec mes amis, ce que j'aime faire à Montréal, je pense qu'il faut vraiment profiter de l'espace qu'on a, puis des parcs, puis tout ce qu'on fait l'été, c'est qu'on va dans un parc, puis on fait des pique-niques, puis on reste là, puis c'est le fun avec les enfants aussi, parce que tout le monde peut se rejoindre. C'est facile de se rejoindre aussi. D'aller voir des concerts, de sortir, juste aller dans les restos, il y a tellement de restos fous, c'est pas le même genre de gastronomie non plus, donc c'est important quand même qu'on se retrouve entre amis, même quand il fait froid. Les gens ont une vision de Montréal qui est très le fun. Ça, c'est toujours rassurant de savoir qu'on vient d'une ville où les gens ils pensent qu'on est gentil puis qu'on est accueillant. Les gens veulent toujours revenir à Montréal, veulent toujours venir vivre Montréal. Puis ça, c'est quand même cool de savoir qu'on vient d'une ville que les gens veulent visiter. Okay.